Bonsoir à tous, c'est NeoBoss pour un nouveau test pour entrer dans ma team, la Core, vous y êtes habitués, la Children of Racing. Et ce soir, je vais tester Alex, aussi connu sous le pseudo de Shai. Le voilà dans la salle, je crois que c'est lui, et le test va bientôt commencer. Comme d'habitude, deux grands prix, premier grand prix item, deuxième grand prix no item. Map choix libre des maps, mais repeat interdit. La répétition de map interdit sur la durée des deux grands prix. Donc voilà, il faut que Shai obtienne une note de 10 sur 20, ce qui est relativement simple. Et je pense qu'il l'aura vu ce que je connais de son niveau. Donc voilà, ça va bientôt partir. Excusez-moi, je mange un peu. J'ai fini à une manger en hâte. Et donc c'est parti pour ce test. Comme d'habitude, hein, Funky Kong, Bacon Bowser. Je ne changerai pas ça. Se priver du véhicule God tier, ça serait un gênant. Ouf. Du 100 cc pour commencer. Bon, pourquoi pas. 100 cc item, bon, ouais. Au moins, on va voir beaucoup de choses pendant ce rencontre, pendant ce test. Vu que le 100 cc c'est plus lent, par définition, on verra un peu plus de choses. Et ce sera peut-être un petit peu plus serré aussi. Bon, je sais pas trop quoi mettre là. J'aime pas trop le 100 cc, je sais jamais quoi voter en fait. Je vote bois vermeil hein, quand je sais pas quoi voter. Excusez-moi. Allez. Prends pas le cut. Je sais pas si c'est vraiment rentable de le prendre en même temps. Les couleurs avec le dazzle, elles sont mais vives. Vous pouvez pas le voir, vous avez les couleurs normales après sur la vidéo. Mais... Et moi, je dois vraiment. Je dois vraiment faire avec des couleurs hyper vives, quoi. C'est pas le circuit idéal pour juger du back, l'esquive de backspam, etc. Oui, c'est un classique. Il a bien esquivé. C'était simple, hein. Mais on va voir. J'ai mis un pile à la sortie de la grille, là. Je sais pas si c'est efficace, on verra. Se trouve, je vais me le prendre comme un débile. En tout cas, au niveau du run, il est un peu lâché, mais je juge pas le run sur ce Grand Prix. Allez, je vais voir comment il me backspam. Ouh, joli. Dans le virage, ça m'oblige à prendre large. Plus c'était assez tordu vu que c'était en pente. Ouf. C'était pas très utile que je fasse ça. Là il va tout droit, il prend pas le deuxième accélo. C'est peut-être ça qui lui fait perdre du temps. Il backspam pas trop. Bon, il n'y a pas trop à backspammer hein, sur cette map. Ouh! Ah, il s'est décalé assez. Ah oui. Ah, au dernier moment en plus. J'ai rien pu faire. Bien joué. Enfin, j'aurais pu faire si j'avais pas voulu aller tout à gauche, vraiment. Ah merde! Activé trop tôt, voilà. J'enchaîne fail sur fail. Il a bien joué son. Il a bien joué de son côté. Attention, hein. Pas fait le backspam, salaud. Il va backspam dans le virage, non, il est prudent avec ses items. Il backspam pas n'importe comment. Bon, je peux pas trop voir sur ce circuit si on peut voir s'il est trop prudent ou pas. Voilà, il y avait qu'une bleue pour me sauver, c'était ça que j'espérais, je l'ai pas eu. Là,
Ouais, il a laissé ça. Il en a remis une, bon. Pourquoi pas, ça peut marcher, c'est ce qu'il faut faire. Mon fake, finalement, il était pas très bien. Et bien joué, il a bien runné sur la fin. Premier tour un peu timide au niveau du run, mais bon, j'y juge pas le run. L'utilisation des items était plutôt bonne. Il s'est pas enflammé, il a fait ce qu'il fallait faire quand il était devant. C'est très bien. Prochain circuit, quoi voter? Allez, il voulait voter une 64, allez. Pourquoi pas? J'ai pas d'idée donc. Ah oui, il faut bien voir aussi que je note pas par rapport aux victoires-défaites. Hein. Parce que vous avez vu, des fois dans les tests, je me permets de laisser passer le testé, le postulant, pour voir comment il gère devant. Voilà, donc je juge un peu tout. Oh, j'ai réussi à prendre l'aspi. C'est joué sur le fil du rasoir. Ouais, le snipe. Bien essayé, mais bon, un peu trop tout droit quoi. C'est pas trop dans ma trajectoire. Là aussi, un peu loin. Vu qu'il est près de moi, c'était pas très utile de me sniper. Mais l'intention est là. C'est pas non plus mauvais ce qu'il fait. Je crois qu'il a posé un fake là. Il me semble, hein, d'après ce que j'ai vu. Il faudra que je fasse gaffe. Et là, il a chopé un champi. Donc là, je peux le snipe, voilà. Parce que je sais qu'il a rien pour se protéger. Là, je repose un fake. S'il est attentif, on va voir. Ou s'il va. Ah, il est attentif, c'est bien. Parce que là, ça lui aura achevé cette course, là, déjà. Et pas sûr que je lui aurais permis de. De me repasser devant après ça. Des fois, je suis indulgent. Et des fois, non. Donc, ça dépend de mon humeur. Bon, là, je suis fatigué. Donc. Allez. On va voir s'il m'a posé ce fake. S'il m'a posé ce fake, c'est bien joué. Mais comme je l'ai vu, entrevu en regardant mon rétro, il sera pas gênant. Oh, il avait même posé une banane. Et un fake, oui. Bon, le fake est un peu trop près des escaliers. Il faudrait qu'il soit plus près de la sortie du virage. Mais l'intention est là. Hein. Pour la banane et le fake, c'est ce qu'il faut faire quand on est deuxième. C'est essayer de surprendre son adversaire en posant des items, tout simplement. Je sais pas s'il avait pris le cut, j'avais pas observé malheureusement. Apparemment, peut-être que oui, mais il a pas posé d'item dessus. Là, il le prend pas en tout cas. En tout cas, il joue bien là. Là, il essaye de me sniper de loin. Ouais, c'est ambitieux là. Oh, pourquoi ce backspam que j'ai fait là? C'était pas voulu. Hein. J'ai dû lâcher le bouton une fraction de seconde. Ça qui est chiant avec la Wiimote aussi, putain. Oui, sur mes vidéos, j'arrête pas de critiquer la Wiimote, mais ça à juste titre. Oh, là. Ah, putain, je fais de la merde. Ouh, il s'est quand même pris. Ah, ouais, là, c'était chaud en même temps, là. Pour passer, c'était un peu en décalage en plus. Fallait avoir une trajectoire large et ensuite ralentir. Enfin, bref. J'ai un peu fail aussi. Là, il m'a rien posé. Bon, il pouvait un peu rien faire. J'aurais pu. Ouais, bien essayé. J'aurais pu le laisser me dépasser sur un tour, mais bon. Sur ça, j'avais vu ce que je voulais voir sur Bois Vermeil. Là, je voulais voir comment il esquive les backspams, comment il gère la pression derrière, et puis aussi devant, vu qu'il s'est retrouvé devant à un moment. Mais bon, le snipe que je lui ai mis, il aurait fallu direct qu'il se mette hors trajectoire. Ça, par contre, ah, je remarque qu'il se met pas hors trajectoire pour éviter. Il reste dans sa trajectoire, même si je lui prends l'aspi. Là, c'est peut-être un petit défaut. Défaut de jeunesse, comme on dit. Quelle map? Vraiment pas sans cesser, quoi. Minoario, allez. Minoario avec le petit cut un peu
Un peu salaud parce qu'on peut pas le prendre aussi proche que pour qu'en 150. Enfin, on peut pas le prendre aussi serré. On va le prendre un peu. Enfin, vous allez voir ce que je veux dire. Je fais des bruits bizarres avec ma bouche, désolé, c'est pas bon. Voilà, là je suis obligé de le prendre un peu plus tard, vu qu'on est en 100. Non, c'est défaite, hein. Ah, j'entends des champignons là. Il y en a 43. Bon, là je vais pas essayer de le backspam parce qu'après j'ai rien pour me protéger à l'affût d'une rouge. De son côté, il essaye. Oh là, ah, là c'est mauvais la bombe là par contre. Il aurait peut-être fallu plutôt attendre un meilleur moment. Au niveau des snipes, c'est pas encore ça de son côté par contre, hein. Ah oui, le décalage, là faut tout le temps faire gaffe là, dans cette descente suivie de la montée. Il y a des backspams semi-cachés, on va dire, faut faire gaffe. C'est très dur de les esquiver si on se met pas comme il faut. Mais bon, là c'était un peu de travers, je pense que la trajectoire du backspam était assez improbable. C'était fait pour en même temps. C'est les rouges là, c'est une bonne idée, c'est le meilleur endroit pour balancer des rouges, hein, je crois. Voilà, il y en a même qui m'a atteint. Oui, je vais voir le backspam un peu plus classique, comment il va le gérer. On l'esquivait, mais bon, je sais pas quelle trajectoire il a pris en même temps, donc. C'est pas très représentatif. Dans sa gestion d'items, quand il est deuxième, ça va, c'est pas trop mal. Je crois qu'il obtient peu de zap en plus, donc preuve qu'il utilise ses items peu mais bien quoi. Il grille pas tout quoi. Bon, quitte à rester un peu loin et à pas choper de champi, mais bon, vaut mieux pas prendre de risque des fois. Le risque il se prend à la limite au troisième tour, bah t'es obligé au troisième tour quand t'es deuxième. Et que t'as un peu de retard, on est obligé de prendre un peu de risque. Bon, c'était quoi GBA Château de Bowser 3 qui voulait pff, en sans cesser. Pourquoi pas. Ah, par contre, je le laisserai devant, mais après avoir bouché le cut, hein. Même double avant. Hein, dernier circuit. J'aimerais bien voir comment il va me backspammer. Oh là là. Oh! Ah, c'est bien joué. Ah, j'ai pas fait attention du tout. Là, il aurait pu me la remettre. Alors, je fais attention. Pas quand est-ce qu'il va me la remettre la verte là. Il me l'a pas mise, bon il la garde, pourquoi pas. Ouais, je bouge le cut quand même, on sait jamais. Voilà, là je vais le voir devant. Ouais, la verte là, pourquoi pas, mais un peu large. Donc il a pris une trajectoire un peu large. La verte aussi inutile. Là c'était le type de verte, on sait jamais sur un malentendu. La verte Jean-Claude Duss. Tiens, je vais l'appeler, je vais inventer des trucs. Pas de backspam dans le dernier virage, dommage. Là sur circuit par contre au contraire, là faut griller ses items quand on est premier. Faut backspammer comme un gros porc. Hein. Surtout quand ensuite derrière il y en a un peu. Oh, alors bon. Très bonne banane en sortie de virage. Un peu large là aussi, il faut que je fasse gaffe quand même. Parce qu'on se dit. On se dit qu'il va backspammer hyper serré. Et du coup on essaie d'esquiver un peu plus large et il la met un peu plus large. Donc voilà. Cocher ça. J'aime pas le sans cesser sur cette map. Quoi. Encore pire que les autres. Quoi. Mais il gère bien le backspam là sur cette map. Ça va, il connaît les spots. Oh le fait qu'il est mauvais là. C'est pour griller un item, essayer d'avoir le 18ème item et ensuite. Ensuite être tranquille si je chope une bleue quoi. Là c'est le passage où je le rattrape le plus là.
Ouais, je vais pas prendre de risque. Voilà. Il y avait un backspam. On a perdu désespoir. C'est bon, je l'ai rattrapé. Pas assez pour être à portée de snipe cependant. Que je fasse gaffe là. Il les a très bien posées ces bananes. Oh là, il s'est pris une banane à moi là. Celle du premier tour, je crois, non? On dirait bien. Est-ce qu'il va s'affoler là? Non, il reste calme avec ses items. Ouf, faut que je fasse gaffe. Allez, moi je vais prendre mon temps. Pas besoin de s'affoler. Ah oui, il s'affole là, un peu de stress peut-être. Ah là là, oui, un peu de stress sûrement, un peu de pression. Il s'est pris le trompe, la grosse, grossière erreur là. Quand même. Bon, c'est une erreur de run, pas d'item, mais on voit que la pression là, il la gère pas très bien quand on le rattrape. Sinon, au niveau du backspam, c'était bon. Hein. Rien à dire. Rien à dire. Enfin, il a plutôt très bien joué, plutôt bien joué sur ce Grand Prix. Donc, il me vole pas sa note de 14 sur 20, je trouve. Ouais, c'est bien sans plus, quoi. 14 sur 20. Je serais peut-être un peu plus sévère sur le run, on verra. Mais 14, ça me semble mérité vu ce qu'il montre. Alors là, on va attendre encore un peu. Je vous prie de m'excuser. Je dois répondre absolument à quelqu'un. Je suis toujours là, ne vous en faites pas. Bientôt, le deuxième GP no item. Voilà. Il est prêt, ça sera parti. C'est parti, allez. Prêt à en découdre. Après ce bon premier GP hein, de Shai, de Alex. Pas grand-chose à redire. Par les snipes. Qui ont été. Ah, encore du sang. C'est pas possible. Ah là là, dommage. Bon. C'est que ça fait quand même partie du jeu, le sang. Il faut maîtriser le sang aussi, le sang CC pour. Faut maîtriser le sans cesser pour bon choix de map. Déjà, je lui donne 2 points de plus parce qu'il a choisi Route Arc-en-Ciel en premier. Non, je déconne. Allez, non, parce que c'est ma map préférée, quoi. Bon, voilà, mais faut maîtriser le sans cesser. On peut y retrouver en mondial, en IT, en compétition. Donc, voilà. C'est un gameplay un peu différent que le 150. Là, j'essaie de lui péter la roue, mais attentif. Pas fait péter la roue. Faut que. Pas que j'oublie de pas utiliser mes items surtout. Pas comme dans certains tests. Hein. Je le répète à chaque fois. Hein. Je radote comme un vieux sur ça, mais. Juffer le boulet. Hein. Notez ma très belle utilisation d'un tank quand on n'utilise pas l'oral d'habitude. Ouais, et du coup, vu qu'on est en sans cesser, j'ai pas trop de base pour les temps. Là, je suis vraiment mauvais dans ce passage. Tant que je le passe, là, il a mieux passé que moi, en tout cas, ce qui est sûr. Ah là là, sans cesser de merde. Il va essayer de me prendre la spin, non? Il est un peu loin.
Enfin, on n'est pas trop dans la même trajectoire, surtout. Il essaye de runner, tout simplement, il le fait bien. Petit décalage histoire de choper et de surchoper ça. Ouais. Vraiment, là c'est vraiment le passage où je suis meilleur. Meilleur que lui en tout cas. Il me rattrape plutôt sur la fin, sur ce truc là. J'ai jamais comment bien le passer ça. Là ça va, j'ai plutôt bien passé. Bon, c'est pas non plus hyper skillé ce que j'ai fait. Mais... ça a suffi, pas comme tout à l'heure où je me prenais un mur. J'ai perdu plein de temps. Et en plus il l'avait bien maîtrisé. Ouais, il est qu'à une seconde et demie à peu près, une seconde, il a pas perdu grand chose. Il me rattrape encore sur la fin. La fin du circuit, il la maîtrise un petit peu mieux que moi. Donc ça veut dire quand même, il est pas mal. Il est dans le rythme. Je vais faire ça. Allez, ah, oh, je chope sur le bout. Il est vraiment juste derrière, quoi. Ah. Ah, il a fait une erreur. Il a fait une erreur, ah oui. Il a dû sauter un peu trop sur la... j'ai pas vu, mais je crois qu'il a sauté un peu trop sur les petites bordures, là. Le truc en 8, là. Ah oui, une prise de risque. Inutile. Il a voulu essayer de me rattraper, il avait pas besoin. Il avait pas besoin de faire ça. J'ai vu son run, j'ai vu qu'il avait un bon run. Pas besoin d'en montrer trop. Hein. Surtout pas besoin de montrer ce qu'on sait pas faire, quoi. Jamais essayer ce qu'on sait pas faire sur ce jeu. Donc voilà, à part ça, il a fait deux bons premiers tours. Bon run. Ensuite usine Todd, j'ai jamais envie d'usine Todd là. Ce sera le château de Bowser. Essaye d'atterrir sans. Ah putain. Intéressant en no item celui-là, en sens essai. Ouais, en sens essai, il est intéressant celui-là. Parce qu'il est assez proche du 150. Hein. Assez. Avec tous les boosts et tout. Ouais, ça change un peu quand même. Ah, voilà. Ça passe. Putain, il est prêt. C'est un champi ou quoi? Il était un peu plus loin tout à l'heure. Ouais, on s'amuse sur les trucs. Il est pas très loin, en une seconde et demie pareil. Il a pas pris cher quoi. Aïe, j'ai fait un rebond. Un rebond de merde. C'est laborieux là quand je veux prendre des sauts. Là, je suis large. Il est propre, hein. Il est propre. Hein. Et là, oui, il faut en faire un de plus, vu que c'est sans cesser. C'est pour ça qu'il m'avait rattrapé tout à l'heure. Sûrement. Donc, il maîtrise, hein. Il reste à distance. J'espère qu'il va pas faire comme sur RR et prendre un risque inutile. Enfin, faire du 150. Des fois, on oublie que c'est du 100 et puis on essaye de faire un truc qu'on peut faire qu'en 150. Sûrement ce qu'il a fait sur RR, sur route arc-en-ciel et voilà. Oh, oh là là, le bug manette avec. Vous avez bien vu. Hein. Là, c'est pas moi qui ai coupé le MT. Hein. J'avais toujours la. La touche enfoncée, mais... ah, je commence un bon tour en plus. Dommage.
Faut vraiment appuyer comme un fou sur cette touche. Attends, j'ai une Wiimote quasi neuve. Oh, encore une fois, une erreur. Une erreur. Il reste à l'arrêt, hein, presque. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, un fail. Appelez ça comme vous voulez. Et encore dernier tour. Hein. Comme quoi, oui, la pression du dernier tour, il la tient pas. Pourtant, c'est le tour le plus important, vu que c'est le tour de l'arrivée. Enfin, tous les tours sont importants. Mais celui-là, il est déterminant, vu que c'est celui de l'arrivée. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, ça fait deux fois où il tient peut-être pas la pression. Alors qu'il a un bon run. Il a juste à faire ce qu'il sait faire, et puis il finit. Tant pis s'il est deuxième. Au moins, il a montré de bonnes choses, il est pas loin. Dommage. Il a dû tomber, un truc dans le genre. Allez, on passe à Usain Todd. Ah voilà. Bon. Il relève le défi. Hein. Et ça, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien les joueurs comme ça qui relèvent les défis. Hein. Compétiteurs. C'est l'esprit de l'accord. Compétition, entraide. Voilà, ça mêle les deux. Si vous êtes intéressé, rejoignez notre team. Mario Kart Wii F1 2011, Trackmania 2. C'est bien, j'ai bien fait la pub là. Je devrais faire des spots publicitaires. Il paraît que j'ai pas la voix pour, donc ça n'irait pas. Là, il a essayé de me prendre mon aspi. J'avais mieux négocié les bandes vertes là. Mais il a un bon run. Hein. Je crois qu'il a quand même un meilleur run depuis. Il s'est amélioré hein, depuis les dernières fois où j'ai joué contre lui en IT. Bon, ça remonte aussi à quelques mois. Hein. Mais à mon avis, il s'est bien amélioré quand même. Allez! Voilà, nickel. Le load jump, oh, je crois qu'il est réussi. Un petit load jump réussi, je crois. Oui, je lui ai mis quand même un peu, donc. Ah, reste dessus, toi. Couché. Couché le funky. Pile quand j'en ai, ok. Sympa. Il fait un bon deuxième tour. Hein. Pas perdu beaucoup de temps. Je crois que j'avais gagné du temps au load jump. Là, évidemment, pas de load jump. Donc, il y avait bien eu load jump au premier tour. Ce qui m'avait gagné, fait, ce qui m'avait fait gagner quand même légèrement du temps. Voilà, là, je fais des zigzags histoire de passer dessous, de rester sur le truc vert. Flemme de faire les zigzags en dehors. Je fais des trucs inutiles. Ouh putain, il m'a bien rattrapé du coup. Force de faire des trucs inutiles. Et il a un run propre, hein, très propre. Hein. Pas de fioritures. À part dans les troisième tours généralement. Mais là, ça a l'air d'être. Au contraire, là, il est motivé. Là, il relève le défi. Il voit qu'il me remonte. Il désespère pas. Low jump. Oh putain. Deux low jump sur trois, c'est pas mal. Mais il m'a bien rattrapé, troisième tour. Hein. Run très propre, hein, très propre, trajectoire très pure. Vous pouvez pas faire grand chose de plus là sur ce circuit. À part les low jump, évidemment. C'est là qu'il a perdu du temps, je pense. Hein. Sinon, dans les trajectoires, il est bon. Dans les. Voilà, il est bon dans le relâchement de MT, dans le wheel, ça va. Là, on a vu des circuits à run. J'ai quand même envie de voir un circuit de style pétage de roue. Pétage de roue à spi. Donc, je vais voter SNES Circuit Mario 3. C'est vrai que ça, je l'ai pas vu pour l'instant. J'aurais pas l'occasion de le voir, malheureusement, sur le test. J'aime bien voir ça. D'ailleurs, j'aurais dû voter ça. C'est parti dans les maps à run. Dommage, bon. Enfin, SNES est aussi une map à run, hein. Mais je m'en sers surtout dans les tests pour voir la qualité du gars, hein. À me prendre la spi, éviter les pétages de roue, à me péter la roue. Hein. Ouf! Trajectoire train intérieur, hein. Très serré, il m'a doublé. Il a voté Stadwa Luigi, il doit la maîtriser, je pense. Hein. Oula! Allez, là, sur les bandes.
censé, c'est chiant, hein. Passage de merde. J'ai mal négocié mon wheel. C'était compliqué. Il reste pas loin. Oui, je pense. C'est peut-être pas rentable en fait de faire la figure. Je pensais qu'en 100cc ce sera un petit peu plus rentable, mais non. Putain, là je fais le bouchon. Hein. C'est rare de dire ça. Oh là là. Il a raté le bug, lui il l'a bien réussi. Enfin, le bug. L'astuce pour aller plus vite, quoi. Pas vraiment un bug. Hein. Oh, allez, monte! Putain. Oh, j'ai cru qu'il avait fail. Voilà, ça. C'est mauvais pour lui, allez. Il reste un tour pour le rattraper. Ouais, putain. Je peux pas faire la figure, mon goal. Ah, voilà, ça fait pas le wheel, allez. Là, il a gagné, là. S'il me refait encore un tour comme ça. Oh là là. Pas que je n'aime pas cette map, mais. Ah, j'ai fait la figure côté sans faire exprès, putain. Troisième tour, il a juste assuré, hein, honnêtement. Ah, je suis pas un danger là sur ce que je fais. J'ai fait un bon dernier tour, mais insuffisant. Il a été régulier sur les 3 tours et il a sauvé l'honneur du dernier GP. Why not, eh oui, voilà. Il a bien joué. Il a bien joué, bon run. Bon run, ça vaut quoi ce run? Ça vaut quand même. C'est sans cesser, donc je me représente pas trop non plus. Donc voilà, je vais lui donner sur ce deuxième Grand Prix. Il a montré des choses quand même. Ouais, j'hésite. Il m'a montré des bonnes choses, il m'a étonné, je m'attendais un petit peu moins. Quand même des fails. Il donne 15, allez, 15, oui, 15. Attendez, peut-être pas 15. Je vais regarder la note que j'avais mise à... Comment il s'appelle à... Le dernier testé, évidemment, à Yuki et Puma. La note que je lui avais donnée... Sur le no item... Oui, je vais donner ses ennemis. Donc 15 pour... ça vaut bien ça. Ça vaut bien quand même un grand 15. Quand même. C'est quand même une bonne note, 15. 15, 15 et 14. 14 ennemis sur 20. Sur la moyenne. Bon. Donc outre le fait que tu aies accepté sur ton niveau là pour l'instant, je vais faire un débriefing de tout ça. Ce sera plus un débriefing général parce que beaucoup de choses se sont retrouvées entre les courses en fait. Hein. La preuve de la régularité de Shai. Donc voilà. Premier Grand Prix item. Alors, il y a eu quoi? Il y a eu quoi comme délire? Il y a eu N64 Château de Bowser. N64 Château de Bowser. Ah oui, au niveau des snipes, c'était pas très bon. Comme sur Minwario d'ailleurs, on peut regrouper des trucs. Hein. Au niveau des backspam, c'était bon. En deuxième position, backspammer comme ça, c'est ce que j'attends. Il a fait un truc assez bon, assez bien. Il s'est pris quelques backspam, mais je sais plus sur quoi il perd sur ce jeu, sur cette course. Oui. Oui, j'ai dû le backspam où il fallait en fait. Minwario aussi, je l'ai backspam où il fallait. Il
puis voilà, c'était un bon Grand Prix. J'ai mis 14. 14, oui, parce que le snipe de la bombe, par exemple, sur Minwario était pas très bon, même mauvais, quoi. C'est un peu un snipe au petit bonheur la chance, mais à faire ça, des fois, la bombe peut te retomber dessus. Tu sais pas comment, ça percute, hein, une texture, et puis voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait comme map, premier Grand Prix? GBA Château de Bowser 3. Là j'ai vu, ah oui, sous la pression quand même. Il y a du mal sous la pression. Hein. GBA Château de Bowser 3. Au troisième tour, comme je le rattrapais, il a fait une erreur, puis une autre. Donc voilà. Enfin, une erreur. Sachant qu'il passait à tous les tours sur les petits tremplins là. Il passait à tous les tours sur la trajectoire à gauche. Sachant que sur l'avant-dernier, il y a toujours une flamme qui sort à gauche, qu'il faut faire gaffe. Il vaut mieux passer à droite. Hein. Il vaut mieux passer à droite, c'est sans risque à droite, il n'y a pas de flamme qui apparaît. Donc voilà. Sinon, au niveau des items, il a essayé de backspammer beaucoup. Beaucoup de backspam inutile quand même. Enfin, il a essayé de backspammer beaucoup, sûrement pour avoir 18e item, je pense. Hein. Parce que sinon, il y avait du backspam, il y avait du déchet dans ce backspam. Sur GBA Château de Bowser 3, il y avait des trucs mieux quand même. Il m'a eu avec une banane. Parce que il a backspammé en mi-large, ce que j'appelle mi-large. C'est entre le backspam à l'intérieur et le backspam à l'extérieur. C'est-à-dire, moi je me dis dans ma tête, il va backspam intérieur, du coup je vais prendre un peu plus large. Mais lui un peu plus large, c'est là où il pose la banane. Du coup, ça devient plus compliqué. Là, faut que je manœuvre et je perds du temps. Donc c'est très bien joué, ça, ces genres de backspam. C'est vraiment les backspam que je déteste le plus, je crois. Et qui me font le plus mal. Donc il a bien fait de continuer après. Par contre, au niveau des vertes, elles étaient mal backspammées. Le fake aussi, très visible. Voilà, il y a juste à passer à droite. Sinon, au niveau des items. Ah oui, sinon, un truc récurrent qui est arrivé sur N64 Château de Bowser notamment. Quand il me double, il reste devant moi, mais il cherche pas à aller en dehors de la trajectoire. Il se doute pas qu'il peut se faire snipe ou quoi que ce soit. Un peu de jeunesse, il faut qu'il acquiert cette expérience. C'est aussi pour ça que ma note est pas plus haute que 15 à cause de ça. Il y avait certains backspam déchets sur GBA. Le comment dire? Oui, les snipes aussi qui étaient pas très bons dans l'efficacité. Hein. Certains dans l'intention étaient pas mal, mais d'autres, ils avaient pas lieu d'être. Comme sur N64 Château de Bowser, après le virage 3, notamment. Je sais plus quand aussi. Donc voilà. Il y avait aussi Bois Vermeil. Ouais, j'avais oublié. Première map, c'est vrai, sans cesser. Et voter Bois Vermeil. Qu'est-ce qui s'était passé dessus? Il avait bien joué. Je l'avais. Ah oui, il avait bien joué là. Quand je l'avais laissé passer devant, enfin, il avait backspammé une verte là où il fallait, dans le virage après le canon. Ça m'a obligé à prendre large et puis il a gagné un peu de temps. Et ensuite, au deuxième tour, il s'est décalé au dernier moment à gauche sur le zipper pour mettre la banane, mais vraiment au dernier moment. Et c'est ce qui a fait l'effet de surprise. Et moi, j'ai essayé de. Je me suis dit, allez, peut-être que sur la gauche ça passe. Non, il aurait fallu aller à droite, mais bon, il y avait tellement, il fallait que j'ai un temps de réaction tellement court que je n'ai pas réussi. Donc c'était bien joué. C'était très bien joué de sa part, ça je m'y attendais pas du tout, ça m'a fait tomber. Il a gagné la map grâce à ça. Donc voilà, un 14, donc il y a eu des bonnes choses, voire quelques très bonnes choses, mais aussi des choses moins bonnes, voilà. Donc voilà, je pense que la note de 14 est méritée sur ce Grand Prix. Ensuite, le Grand Prix No Item. Alors là, route arc-en-ciel, on commence. Là, les bœufs, quand même, on vote la map référence, on va dire. Le juge de paix. Enfin, c'est plus un juge de paix en 150. De toute façon, en 100, va me trouver un juge de paix. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bref. Ça reste un bon circuit. Bon. Troisième tour, il essaie de sauter sur le truc du 8 là, après après les petites bosses là, quand on redescend, il y a des grands trous là, c'est ça ce que vous appelez un 8, ça forme un 8 hein, quand on pilote. Et là il a essayé d'y prendre, mais il a pris pas assez du côté de la piste.
trop côté vide, et vu qu'on est en sens essai, ben oui, on est moins rapide, et du coup, pour reprendre la piste, c'est plus dur. Et voilà, erreur, il est tombé, il a perdu. Alors qu'il était pas loin derrière moi. Il a fait deux très bons premiers tours, hein. Deux bons premiers tours, hein, sans erreur ni rien, il se prend pas de mur. C'est propre, hein, c'est nickel. Ensuite, il y a eu Usain Todd, je sais pas si c'est dans l'or. Non, il y a eu Château de Bowser. Château de Bowser. Putain, pour une fois que je me souviens de toutes les maps sans aller regarder un truc contre la montre. Alors, Château de Bowser. Qu'est-ce qui s'était passé dessus? Oui, aussi pareil, des bons premiers tours. Et premier tour, il m'a mieux maîtrisé que moi, par exemple. Comment ça s'appelle? Les escaliers, là, le passage des escaliers. Pas le premier, hein, mais vers la fin du circuit, là, l'épingle. La courbe plutôt, c'est pas vraiment une épingle, c'est plutôt une courbe, on va dire. Le virage en courbe. La grande courbe même. Donc voilà. Ce qu'il a fait un MT de plus sûrement, et ce qu'il faut faire en sens essai, apparemment. Mais sinon après les deux autres. Ah oui, les deux autres, comment ça s'appelle? Les deux autres tours, ben ça s'est bien passé au deuxième tour aussi, il est resté pas loin, une seconde et demie, toujours une seconde et demie à peu près, une seconde et demie, 2 secondes, voire un peu moins. Il suffit que je faille un peu par une trajectoire pas droite, un petit zigzag, il me rattrape, hein. Ça s'est vu plus tard sur Usain Todd, j'y reviendrai. Par contre, troisième tour, encore pression, il était pas loin de moi, il s'est dit je vais essayer un truc pour le rattraper. Il a fail, je crois, à l'endroit. Après les deux sauts là, dans le passage où Bowser envoie les flammes, après les deux sauts, juste après la flamme qu'on passe là, là il y a les deux passages, là vous voyez, il y a les deux passages, et sur le passage de gauche, donc après la flamme, il y a un petit saut, et là apparemment il s'est fail là, il a voulu faire un trop gros load jump ou un truc dans le genre, je sais pas, et du coup il a fail, il faut pas essayer ce genre de choses, hein. Pas essayer ce genre de choses, pardon, je répondais à quelqu'un, du coup je peux pas parler en même temps en fait. Je n'ai pas ce don. Donc voilà, il est tombé là, encore une erreur de pression. La troisième quand même, la troisième, après GBA Château de Bowser 3 et Route Arc-en-Ciel, bon je juge que sur les GP no, les GP no item pour ça, donc voilà. Faut faire attention, il s'est rené, il n'y a pas besoin qu'il essaye de faire des choses extraordinaires. Hein. Il l'a montré, il s'est bien rodé. Ensuite, Usain Todd, oui, je l'ai voté cette map, j'aime bien. Je lui ai mis quand même au premier tour pas mal. Il a fait un bon premier tour, hein. Mais bon, le load jump, ça lui a mis à une seconde et demie, 2 secondes. Hein. Surtout que j'ai fait un bon premier tour. Après, par contre, il m'a rattrapé. Un truc de fou. Il me rattrape au passage des caisses, un peu là. Passage des caisses où ça va à gauche, à droite là. Ensuite, je remets un peu de temps. Deuxième tour, il y avait à peu près le même écart, je crois. C'est au troisième tour surtout qu'il m'a rattrapé, parce qu'au passage des caisses, j'ai fait des petits zigzags, parce que sinon je me prenais les caisses. Mais lui, très pur, il s'est mis direct dans la bonne trajectoire avant les caisses. Ce qu'il faut faire, faut se mettre direct dans la bonne trajectoire et ensuite être sûr de soi. Et ensuite, tu maintiens le wheel. Et tu rattrapes l'autre si jamais il n'est pas dans une bonne trajectoire. Ce qu'il a fait, j'étais pas dans une bonne trajectoire. Mais j'avais assez d'avance pour conserver. Et le dernier jump, ce fut un low jump. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Il me semble que c'était le premier tour et le troisième tour, les low jump hein, que j'ai fait. Et que le troisième tour était un peu mieux, je crois, au niveau du low jump. Enfin bref, c'est pareil, c'est le low jump. C'est sur ça aussi qu'il a perdu un peu de temps. Peut-être un peu les trajectoires à certains moments, mais sur le premier virage, notamment. Notamment le premier virage, oui. Où je dois lâcher mon MT plus tôt, je pense. Et du coup, je gagne un peu de temps. Mais bref, c'est des détails. Bon run. Ensuite, dernière map, GameCube, Stade Waluigi. GameCube, Stade Waluigi. GCN, Stade Waluigi. Je vais le dire combien de fois, c'est bon. Ils ont compris. Ils ont compris que c'était Stade Waluigi. Et bien, je leur dis une quatrième fois, tiens.
Là, c'était sa map. Enfin, il l'avait voté, quoi. Il n'a pas fait des très bons trucs, moi, lui, de son côté. Ah oui, le passage des... Comment dire, des bandes bleues. Ah oui, déjà au début, début de circuit, très bien, bonne trajectoire, il maîtrise. Juste après le premier saut, là où il faut... Où il faut pas faire la figure et maintenir le... Comment dire, le dérapage et le lâcher en l'air, il l'a très bien fait, il était à l'intérieur. Il a montré qu'il était présent sur le... Sur le, on va dire, c'est un wall jump un peu, comment on peut appeler ça, sur la figure que tu fais contre le mur là pour que ça t'arrête et que ça te mette direct sur le sol. Il le fait très bien, il le fait très bien. Bon timing sur les trois tours d'ailleurs. Par contre, sur les bandes bleues, c'est là, c'est un peu son défaut, je pense, parce que à chaque fois, je le rattrape un tout petit peu à cet endroit-là. Donc là, améliorer, mais sinon, c'était très bien. Aussi vers la fin, bon, bon la fin aussi, au dernier tour j'ai été assez insane, si vous avez bien vu. Disons que j'ai joué mon va-tout, quoi, comme on dit, hein. J'ai un mental de compétiteur, je me laisse pas faire, on sait jamais sur une erreur, fallait que je le rattrape, voilà. Donc voilà, sur ça, voilà, c'est des petits détails ça aussi, mais bon, il a des bonnes trajectoires, il run bien, il connaît les bases, les fondamentaux du run sur les maps. Malheureusement, j'aurais bien aimé voir ce qui valait sur N64 Autodrome ou au SNES Circuit Mario 3 en no item pour voir l'histoire du pétage de roue et voilà, parce que j'ai remarqué au premier GP qui restait dans la trajectoire de celui qui le poursuivait, ce qui est pas très bon, hein. Surtout quand celui qui poursuit il est bon. Hein. Et je dis pas que je suis gros PGM, mais bon. Faut pas déconner, hein. J'ai quelqu'un devant moi, hein. Pile en face de moi, j'ai deux vertes. Je snipe, je cherche pas à comprendre. Surtout que à 2 mètres de moi, quoi, enfin pas loin devant moi. Comment dire? Donc voilà. Il a fait un bon deuxième Grand Prix. Ça mérite 15 sur 20. 15 sur 20 parce que fail. Eh oui, je suis sévère sur ça, mais bon. Au troisième tour. Le tour décisif quand même. Ça arrive en IT, tu passes de 1 à 8, hein, dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, de 1 à 4, mais bon, si tes coéquipiers sont un peu à la rue, et ben voilà, ça fait top 2, top 3 pour l'équipe adverse. Bon, la Core est pas une grande team, et je compte pas faire... de toute façon, j'engueule pas sur ça, hein. On est une team cool, c'est pas grave si on fait des erreurs en IT, je me prends pas la tête, c'est pas mon but, c'est plus mon but, je le faisais à la... Quand j'étais à l'ARS, parce que je voulais que cette team monte, d'ailleurs, sur une période, sur une certaine période, on a bien réussi. En compagnie d'Asmido, Hades et tout, enfin bref, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est un autre débat. Donc voilà. Il sera pas, tu seras pas engueulé si tu fais des erreurs comme ça. Shy, mais bon. C'est juste pour t'aider à t'améliorer en fait, à voir où sont tes qualités, tes défauts. J'espère que tu as vu à travers cette vidéo. D'accord, je me salis mes lunettes tout seul et je raconte ma vie bien sûr à tout le monde. Donc voilà. Ah oui, alors donc du coup, je récapitule le 15 sur 20 sur le deuxième GP entièrement mérité du coup, parce qu'il a montré des bonnes choses, voire des très bonnes choses. Run régulier, pas de fail de mur quoi, bête. Juste des fails bêtes de pression, je pense, surtout, ou qui veut encore plus faire que ses capacités, et faut pas runner à 110%, c'est pas possible, déjà. Déjà, runner à 100% de ses capacités, c'est hyper dur. C'est hyper dur au moment qu'il faut. Donc voilà, il faut faire ce que tu sais faire, essaye pas de faire plus, voilà, ça suffit, ce que tu sais faire, c'est déjà très bien, c'est... Crois-moi, c'est du bon run. Donc voilà, hein, 15, voilà. Ça me semble mérité. Donc voilà, 14,5 sur la moyenne des deux GP, 14 et 15, hein, vous avez compris, c'est 14,5 en moyenne. Et donc tu es largement pris à l'accord, Alex, Shai, donc bienvenue à toi. Donc voilà, maintenant s'ensuit une période de 2 semaines d'essai, au cours de laquelle on va voir bon, ton activité, ta mentalité. Hein. Si jamais il arrive que tu sois pas actif pour une raison X ou Y, t'inquiète pas, la période d'essai sera prolongée de 2 semaines. Un mois, parce que je suis assez patient. Hein.
Ben, si, là, faut que la team survive un mois, elle est là après ça. Enfin bref, soyons positifs. Pour l'instant, il y a un regain d'activité à l'accord avec plus de postulants. Donc voilà, faut être positif. Ça recommence les IT en plus, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ben c'est tout au niveau du test. Voilà, au niveau du test, voilà, au niveau de la réussite du test de Shai quand même, hein, qui a montré une belle performance. J'espère que vous avez apprécié cela et j'espère que ça vous aidera vous aussi, les spectateurs, à vous améliorer ou à vous remettre au jeu, etc. Oula, pas que je fasse tomber le dazzle. Je fasse attention. Sinon, oui, actualité. L'actualité néo boss, on va dire ça. Tout 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 jingle. Jingle vocal. Bon, c'était bidon. Faut que j'arrête de faire des trucs comme ça. L'actualité. Donc vous pouvez me retrouver jeudi soir, ce jeudi soir à 21h sur le site elive.pro pour un commentaire d'un tournoi online individuel. Le Yodos numéro 4 qui s'est tenu le 17 juillet 2011, je crois que c'était le 17 juillet, c'était en juillet 2011 en tout cas. Et voilà, ce sera selon le point de vue la vidéo d'un joueur Hatch qui avait participé à ce tournoi. Et voilà, je vous commenterai ça, son run, la stratégie des items évidemment, stratégie, ce que font les adversaires sur lui exactement, et ça sera quand même un commentaire beaucoup plus précis par rapport au commentaire de l'IT KC versus IS contre IS que je vous avais proposé dimanche dernier, parce que c'était assez chaud de s'occuper de tout, du teamplay, du run, de tout ce qui arrivait. Il fallait s'occuper aussi de la minimap, bref, et avec un seul écran de jeu, celui de IS Call, c'était assez compliqué. Malgré tout, apparemment, vous avez assez apprécié cela. Et je vous en remercie et ça me fait très plaisir. C'était ce qu'il fallait que vous appréciez. Mais je compte m'améliorer. Hein. Je vais pas me reposer sur mes lauriers. Je sais que ce que j'ai fait, c'est largement améliorable. J'ai vu que j'ai fait des erreurs, que ce soit au niveau de ben, tout simplement de la parole, de la répartie, de la vitesse, comment dire, de la mémoire aussi sur ce que j'avais à dire, etc. Ça j'espère y perfectionner au fur et à mesure. Pour vous proposer un contenu de plus grande qualité. Et voilà, donc je vous invite à aller sur elive.pro. C'est un site très intéressant pour commenter. C'est vraiment un site de commentaires, pour les commentaires, et vous pouvez retrouver mes commentaires d'ailleurs dessus. Vous tapez Neo Boss, vous tombez sur ma page profil, et voilà. Et ensuite, si vous voulez suivre mes vidéos, vous faites following, je crois, ou to follow, ça veut dire suivre. Et comme ça, vous verrez, mais vous saurez quand j'annoncerai un prochain cast. Voilà, donc là, jeudi 21h, tous sur elive.pro si vous voulez suivre ce commentaire du tournoi individuel. Ça durera à peu près 1 heure et quart. 1 heure pour la partie course, et ensuite, bon. Je compte aussi l'intro, parce que je compte dire des choses dans l'intro, pas trop, et aussi à la conclusion des choses après, bien sûr. Donc voilà, je vous remercie à tous. Ah, avant ça, oui, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous donc sur eLive ou sur le forum de ma team, la Core. Donc c'est core-team.xuit.com. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo, pardon. Donc voilà, je vous attends nombreux. J'espère que vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à les commenter pour dire si c'est bien, si c'est pas bien, pourquoi vous y trouvez bien, pourquoi vous y trouvez pas bien. Comme ça, après, je peux voir ce que je peux améliorer, ce qui vous plaît en général, ce qui vous déplaît en général. Et comme ça, je peux adapter selon. Si jamais je vois que votre commentaire est assez pertinent et que voilà. Donc voilà, je vous remercie encore. Passez une bonne soirée. Bravo et merci à Shai pour ce test, hein.